Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Nous allons recevoir les frères de Fonikemenge. Donc, ils vont nous expliquer certaines choses. Essayez de partager, s'il vous plaît. Ça ne sera pas long parce qu'il se fait tard là. La prochaine fois, on va mieux s'organiser. Voilà. Par rapport à ce qu'ils pensent de sa condamnation de 3 ans. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à tout le monde. Comment ça va? Je veux bien, je veux bien. Voilà. Ah ouais, bienvenue, bienvenue à vous deux. On va les laisser un peu partager. Il y a un bruit au Royaume-Uni. Ouais, là ça va, c'est Waïma, oui. Voilà. Essayez de partager un peu, s'il vous plaît. On ne va pas trop les retarder. Bonsoir. Estelle Junior, ça fait longtemps que je ne te vois pas. Je ne t'ai pas vu hier, je ne t'ai pas vu avant-hier. Il faut essayer de partager, s'il vous plaît. Ce sont les frères de Fonikemenge. Donc, je pense qu'ils sont mieux placés pour nous parler de certaines petites choses. Il se fait. Ashley. Ça, c'est quel genre de nom, ça? Ashley Fall Fall. Bonsoir. Junior, comment tu vas? Ça va, ça va, ça va, ça va. On va commencer avec toi ou bien on va commencer avec. Non, comme tu veux. Bonsoir, Mariam, comment tu vas? Essaye de partager, va, s'il te plaît. Je commence par me présenter et après, voilà, on suit. D'accord. Allô? Malaforogo. Tu veux intervenir? On va attendre, ils vont finir de parler d'abord. Donc, je me présente. Vas-y, vas-y, c'est là. À toi, mon gros. Bonsoir à tout le monde. Tout Je le monde, m'appelle bienvenue. Lansana Silla. Je suis le frère cadet à Fonikemenge. Et donc, nous sommes ici ce soir pour parler un peu de la justice guinéenne et de la condamnation de Fonikemenge. Donc, je suis à Clermont. Actuellement, je vis avec ma mère. J'étais même obligé de sortir de la maison pour ne pas que ma mère sache ce qui se passe. Elle sait pas, elle n'est pas encore au courant de ce qui se passe. Parce que c'est grave comme condamnation. Et Oui. si nous sommes ici aujourd'hui, c'est pour en parler. Et voilà. Donc, elle n'est pas au courant pour les 3 ans là. Non, elle n'est pas au courant. Elle est malade de ce soin et donc on a peur qu'elle ait un choc. Oui. Donc, on est obligé pour l'instant de se taire et voir comment ça va se passer. On est obligé de se prononcer là-dessus. Et vu qu'en Guinée, heureusement, il y a certaines personnes qui sont bien placées pour se prononcer là-dessus, comme Momodou Sylla, comme le celui d'Alain. Et nous, il faut qu'on fasse aussi notre part. Oui. Bon, comme tu as parlé, moi je te tutoie, comme tu as parlé de Mamadou Sylla. Mamadou Sylla, futur élève, c'est quoi Oui. exactement votre relation? Mamadou Sylla est mon grand frère, est mon frère aîné ou l'un de mes frères aînés. Et nous sommes du même père. Et moi, j'ai grandi chez Mamadou Sylla. Donc, pour tous qui me connaissent à Dixine ou à Hafia, j'ai grandi chez Mamadou Sylla. Donc, nous sommes du même père et c'est mon frère aîné.
D'accord. Bon, tu n'es pas obligé de répondre. Ça ne crée pas, vu la Non, situation. je le sais, non, je le sais. Je suis pas obligé de toute façon, je suis là Voilà. oui, je suis là parce que je le veux. Mais vu cette situation-là, parce qu'apparemment, à nous, on est comme si ils sont en quelque sorte comme s'ils étaient adversaires politiques. Ça ne fait pas de tension à la famille. Ce n'est pas obligatoire de répondre à cette question, hein. Ah, pour l'instant, non. Là, on va passer là-dessus. Je passe là-dessus. Je ne vais pas me prononcer là-dessus. On va donner un peu la parole à Monsieur Conte aussi parce qu'il est un peu de la famille. C'est tous des frères. Je ne sais pas ce que lui pense par rapport à tout ce qui se passe. C'est un peu critique et un peu délicat comme situation, quoi. Je pense. Bah, moi, c'est Conte Moussa. Et franchement, c'est comme ce qu'on est en train de dire à chaque fois que la Guinée est une famille. Et là, on ne peut pas le savoir, c'est quand on sort à l'aventure qu'on se rencontre avec une autre personne qui est guinéenne que toi, comme toi. Et le lien que vous tissez, ça peut vous faire des frères de lait ou de vraiment des proches. C'est là, ça cause ça aujourd'hui. Moi, je suis vraiment lié avec mon ami qui est là, qui est Lansana Silla. Et ça, voilà, à travers lui, moi, je me bats aujourd'hui un peu pour Fontemengue. C'est pas forcément que je suis lié avec Fontemengue, mais je suis vraiment lié aujourd'hui avec Lansana depuis qu'on est en France, depuis qu'on s'est vu en France. Donc, c'est juste ce lien aujourd'hui qui me donne le courage d'agir. Ça fait comme la famille, parce que le frère de ton frère, l'ami, le frère de ton ami, ça devient ton frère en quelque Ton sorte. frère, automatiquement, voilà. Chacun peut apporter sa petite contribution. Chacun se bat avec l'arme qu'il a. Parce que bon, Exactement, nous, en exactement. ce moment, on n'a que notre bouche et ça, quoi, et les réseaux sociaux. Je pense que ça donne, quand on insiste dessus, ça peut vraiment donner. Donc, de temps en temps, je pense que vous allez avoir plus accès. Je ne sais pas si souvent vous avez des nouvelles vraiment toutes fraîches, régulièrement, ou c'est très, très difficile d'avoir de ces nouvelles-là. Pour ce proche, le souci est que les nouvelles qu'il vient. Bon, moi, j'ai essayé de contacter aussi, même Kounduno, un moment. Il y a quoi? Il y a 4-5 mois, et où les avocats, une fois, c'était un peu dur. Je discute tout le temps avec sa femme, et Hawa Dukouré, donc qui me donne des nouvelles. Et de temps en temps, quand ils partent au procès, donc j'arrive à avoir un contact avec Founké Menge. Et le souci, en ce moment, en Guinée, la justice guinéenne n'est plus à l'honneur. C'est ça le problème. La justice guinéenne n'est plus à l'honneur. L'insécurité judiciaire est plus grave que la guerre. Il faudra qu'on se prononce là-dessus. Il faudra qu'on trouve une solution. Founké Menge, c'est Alpha Condé se sert de Founké Menge comme exemple. On a vu ici, on a vu en Europe comment ça se passe. Avec Macron, il a été giflé. Le monsieur n'a pris que 4 mois. Founké Menge n'a fait que protester. Et de surcroît, la Guinée, il a le droit de protester. C'est un droit. Il ne s'est pas battu, il n'a pas giflé le président. Il a juste dit qu'il était contre le troisième mandat. Contre le troisième. Et quand il a été condamné pour la première fois, les 11 mois au lycée, c'était pour attroupement. Mais attroupement, quand quelqu'un est seul, ou peut-être à deux, définissez l'attroupement. C'est quoi l'attroupement? Même si je n'ai pas, voilà, j'ai pas approfondi les études, mais je connais quand même l'attroupement, c'est plus d'un. Tu ne peux pas attraper quelqu'un et on le condamne pour attroupement quand il est seul. Il faudra qu'on se prononce, il faudra qu'on trouve des solutions. Et autour de nous, si on peut même, c'est-à-dire faire des appels, on a besoin de politiciens qui puissent adhérer à ce qu'on fait maintenant, parce qu'il faudra qu'on dénonce ce qui se passe en Guinée. C'est grave. C'est gravissime ce qui se passe en Guinée. Le juge qui a rendu cette décision n'est pas. Le peuple de Guinée n'est pas fier de lui et ne sera jamais fier de lui.
Il est à la solde d'Alpha Condé. Même Omar Sylla, il y a une main noire derrière ça. Malik, c'est parce que Malik sans frontières ou quoi. Lui, il était condamné avant quoi, 3 ou 5 ans. Mmh. Sa peine a été baissée à 1 an. Et pour qu'il mange 11 mois, il est parti à 3 ans. Ouais. Mmh. Il faut qu'on se pose des questions. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est Alpha Condé qui rend des décisions ou pas? Mmh. Il est opportun de notre part de se poser des questions. Oui. Donc si je suis là, c'est du militantisme en fait. Je suis là pour militer, pour non seulement pour Fouriké Mbengue pour commencer, il ne faut pas se tromper, et surtout pour la justice guinéenne, il y a un problème qu'il faut qu'on trouve une solution. C'est pas bon, il y a des trucs qui sont pas clairs. Soit il y a la justice, soit il n'y a pas la justice. Qu'on soit clair là-dessus. Donc, moi, je suis là pour ça et je veux continuer. Heureusement que vous me permettez avec votre plateforme. Merci à vous pour votre invitation. Je me présente encore pour ceux qui viennent d'arriver. Je m'appelle Lansana Sylla, le cadet de Founiké Mbengue. Founiké Mbengue n'est pas au courant de ce qui se passe. Voilà. Moi, je milite parce que je suis lié avec lui. Qu'il le veuille ou pas, on est lié parce que je suis de même mère avec lui et même père. Donc, c'est de mon devoir de militer. C'est mon devoir de dénoncer ce qui se passe en Guinée. Je le faisais avant, et il y a des gens qui m'ont appelé d'arrêter. Il y a eu des menaces autour de moi. Bon, je ne vais pas citer ce qui s'est passé. Moussa Konté au courant. Et on a commencé on a recommencé sur Facebook. Mais entre-temps, vous savez, il y a des trucs qui se passent. Des problèmes familiaux. Donc, j'ai arrêté. J'ai fait un voyage aussi il y a 7 mois. Et ça s'est passé il y a quand? C'était le 10. Le 10, donc il faut qu'on dénonce ce qui se passe en Guinée. Il faut qu'on dénonce, pas que pour Founiké Mbengue. Mais si je suis ici ce soir, c'est pour Founiké Mbengue. Soyons clairs là-dessus. Je suis ici pour dénoncer ce qui se passe et dénoncer ce qui arrive à Founiké Mbengue, mon grand frère. Oui. C'est vraiment, c'est bizarre. C'est bon, quoi. Il y a un peu de bruit autour de moi. Donc, comme je disais, je suis obligé de sortir de la maison. Ma mère est malade. Mm-hmm. Elle est malade. Elle est là, ça fait quoi, plus de 10 ans, je traite. Elle n'est pas au courant de ce qui s'est passé en Guinée. Et son fils a été condamné pour 3 ans. Elle n'est pas au courant, donc je ne veux pas, l'informer. Je ne veux pas la donner cette mauvaise nouvelle. Et donc, j'ai besoin de tout le monde, de tout ce qui supporte Founiké Mbengue. Donnez-nous la main. Dénonçons le maximum possible pour que justice soit faite. Pour tous ceux qui veulent la justice, voilà, un petit clic, un petit commentaire, un petit doigt ou ramener son côté mental positif sur la personne, tout cela, ça peut aider. Parce que moi, je pense, hier, il y avait Sekounes Takaba qui était là, qui nous a parlé, on a parlé de Founiké Mbengue, voilà, il a dit ce qu'il avait à dire. Voilà, il a parlé globalement de la Guinée, particulièrement de Founiké Mbengue et tout. Mais moi, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, c'est pour faire peur. C'est pour faire peur. C'est-à-dire, déjà, lui, là, il est dedans. Ça, c'est pour bloquer les autres de ne même pas sortir là. Voilà, c'est ça que moi, je lui ai dit. Parce que Birinara, il a très bien intervenu, vraiment. Il a dit beaucoup de choses. Et puis, moi, il y avait des choses même que je n'étais même pas au courant. Donc, on apprend des choses. Parce que quelquefois aussi, on peut apprendre. Mais on n'a pas la certitude. Comme là, maintenant, là, toi, tu nous parles de vos liens et de tes liens avec Maman Bissila quelquefois. Nous, on a des petits doutes. Est-ce que c'est des cousins? Est-ce que c'est vraiment des frères et tout? Mais là, on voit que c'est vraiment... On a de ça. C'est notre grand frère. Il est le troisième fils de notre frère. Donc, on est liés. On est liés par le sang. Et c'est le troisième fils de mon père. Et moi qui suis là, moi j'ai grandi dans sa maison, j'ai grandi chez lui. Donc voilà. Il n'y a pas de cousin ou de truc, c'est notre frère. Il n'y a pas d'amalgame à faire. Donc soyez sûr que c'est bien de le savoir. Non, soyez clair là-dessus. Donc j'essaie d'éclaircir un peu pour ceux qui ne savent pas. Founiké Mbengue, il s'est jamais présenté comme le frère de Momadou Sylla. C'est récemment, il y a même pas un an, pendant son premier procès, que les Guinéens ont su qu'il était le frère de Momadou Sylla. Parce que le monsieur, il se bat pour la justice. Il se bat pour un changement. Il se bat, il a des idéologies.
Donc, ce n'est pas pour ça. C'est vraiment qu'on essaie de corrompre sur cette personne. Je suis au courant parce que ce n'est pas la première fois qu'on arrête, ni la deuxième fois. Il y a beaucoup qui le savent. Il se bat, c'est un moment. Il y a plus de 5 ans, il n'était pas connu, mais c'est pendant le truc de FNDC qui s'est fait connaître. Ça fait un moment qu'il se bat pour le bien-être des Guinéens. C'est un activiste. Et il a un côté sécuritarisme. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas ce côté, mais soyons clairs, bon, il n'y a rien à cacher là. Il n'y a pas de tabou. Posez vos questions, on va vous répondre vos questions. Dans la vie, de toute façon, on ne peut pas plaire à tout le monde. Mais disons les choses comme elles sont. D'accord, de toutes les façons, quoi qu'il en soit, les questions sont bien répondues. Moi, ça me va. Après, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont un peu de questions en bas ici. Voilà, je suis Funike Menge. Salam alaikum, alaikum salam. Voilà. Il y a des hommes. Merci, merci à vous aussi. Il y a des hommes, femmes aussi. C'est-à-dire, Maria Mambalo, comment tu vas? Les hommes-femmes n'aiment pas les grands hommes, vous voyez? Les hommes-femmes, que les femmes m'excusent, hein, parce que bon, y a des femmes très, très fortes. Mais les hommes-femmes, c'est ce que je disais aujourd'hui à quelqu'un. Il y a des gens, on ne veut pas qu'ils fassent des vidéos. On ne veut pas qu'ils parlent. Même quand ils ont des choses à apporter à la société, les gens ne veulent pas qu'ils le fassent. C'est ce que je leur ai dit. J'ai dit, mais moi, je ne comprends pas les Africains. On veut être de grands hommes, mais on ne veut pas faire de grandes choses. Si on parle de Mahatma Gandhi, on parle de Nelson Mandela, on parle du Dalai Lama, parce que Dalai Lama, il est moderne, il est encore vivant, c'est parce qu'ils sont en train de faire de grandes choses et des choses extraordinaires. Et quand tu fais des choses extraordinaires et de grandes choses, je pense qu'il faut passer par des trucs un peu de ce genre, ce n'est pas la facilité. Voilà. Mais il y a des gens, c'est pourquoi peut-être c'est facile de chanter, c'est facile de danser, peut-être, je ne sais pas. Mais dès qu'il suffit d'aller du sens de la vérité, parce que moi, j'ai écouté la sortie de votre grand frère et tout, il dit que, j'ai écrit ça quelque part ici, sans opposition, il n'y a pas de pouvoir. Mais c'est vrai, sans opposition, il n'y a pas de pouvoir. Si toi, tu n'as personne qui s'oppose à toi, mais ça veut dire que tu es nul, tu es inutile, tu n'es rien du tout. C'est pourquoi les dictateurs, mais la manière. Et moi, c'est la définition de la dictature, c'est la définition. C'est ça. C'est moi qui décide, c'est moi qui gère. Et vous exécutez de tout ce que vous dites. Tu ne veux pas un poids en face. Mirla Mayanara. Non, Mon vidéo de Baba Fima, faut la Guinée, il faut arrêter de réagir la Guinée, il faut agir. Mais le Guinée est dans la réaction, on n'agit pas. Faut Guinée. Au fait, il faut qu'on soit unis. Merci. Si on n'est pas unis, on ne peut rien faire. Merci. Au fait, en Guinée, chacun est dans son coin et c'est l'intérêt personnel. Et la justice doit être au-dessus de tout le monde. La justice doit être au-dessus de tout le monde. La justice ne doit pas être là pour juger pour quelqu'un. Non, il doit juger au nom de la population, au nom du peuple. Et si nous, on ne s'unit pas, ils vont nous diviser pour régner. Et tout seul, l'assanat tout seul, il ne peut rien faire. Avec que sa famille, il ne peut rien faire. Donnons-nous la main et essayons d'agir positivement. Tout à fait. Il faut te donner la main, mais quand chacun a ses intérêts et quand il y a des intérêts ethniques, surtout le côté ethnique, ça joue énormément. Moi, celui qui a intervenu ici hier, toi, tu as suivi, M. Kwante a regardé hier, il a bien intervenu, c'est un Malinké, c'est un Kaba de Cancan. Mais vu sa réaction, c'est ce qu'il a dit hier, que les gens disent que non, que c'est un faux compte. Ça, ce n'est pas un Malinké, c'est un faux compte. Donc, il y a des gens qui sortent, c'est ce que j'ai dit, c'est les grandes personnes, c'est des grandes âmes. Né n'en fait bilibili rabama, né n'en fait extraordinaire rabama. Mikhala mamou fait bilibili rabama, mikhala manito fait bilibili rabama, et des courage mané. Aïna gana pola, aïna gana vidéo rabama, aïna gana gine iki. C'est ce que moi je leur dis. J'ai dit, vous savez combien de personnes sont voilées aujourd'hui à cause de moi? Vous savez combien de personnes jeûnent les lundis et les jeudis? Vous savez combien de personnes prient?
Vous ne savez pas cela. Vous voyez. C'est ce que je dis, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure à deux. Ceux qui ne te connaissent pas ne peuvent pas te juger. Moi, je te connais. Aujourd'hui, je te vois comme ça. À cause de toi, ceux qui te connaissent, il y a beaucoup qui peuvent changer positivement. T'as vu? Et on a vraiment des messages à donner, mais il faudrait que nos dirigeants pensent à nous. Aujourd'hui, ils doivent oublier maintenant leur intérêt personnel. Il faut qu'ils pensent au bas peuple. Si on ne pense pas au bas peuple, on ne peut pas gérer un pays, on ne peut pas diriger un pays comme il faut. Une seule personne en Guinée, je peux pas savoir qu'une seule personne se met à avoir 20 milliards, 30 milliards de francs guinéens. Qu'est-ce que ça va te servir? Ça dit que ton peuple est là en train de mourir de faim. En fait, tout commence par là, en fait. Tout commence par là. La justice est achetée, tout est acheté. Il faudrait qu'on se donne la main et positivement, qu'on arrive à agir pour que notre pays puisse au moins puisse avancer, quoi. Puisse faire un pas d'avant. Pour ajouter quelque chose. Et si Fonike Menge, si Fonike Menge avait décidé de regarder son intérêt, comme tout le monde, il ne serait pas là, il ne serait pas en prison. Oui. Exactement. On a tout proposé. Je ne suis pas le seul à le dire. Vous savez ce qui s'est passé. Comment ça va faire il y a trois ans, deux ou trois ans, ben, je ne me rappelle pas des années exactement. Ils ont voulu le sourdoyer, pas d'une fois, pas deux fois, pas trois fois. Et n'oublions pas que le magistrat qui l'a jugé, il faut que nos juges, il faut qu'ils soient indépendants. Il faut qu'ils soient indépendants. Il faut qu'ils arrêtent d'être à la solde d'un président, que ce soit Alpha Condé ou quelqu'un d'autre. Il faut juger d'après les lois qui sont là. Il ne faut pas juger par militantisme, parce que c'est un militant d'Alpha Condé. C'est tout le drame dans notre pays. C'est tout le drame. Soyons clairs. Donc, il y a un commentaire là, ML Fadiga, il intervient souvent sur la page, c'est notre page. La conviction et le courage de Fonike Menge ont fait de lui un symbole positif pour la jeunesse consciente de la Guinée. L'histoire retiendra Koumar Sylla est un modèle vivant pour les Guinéens conscients à suivre. Il a la bénédiction, l'encouragement et remerciement de tous les Guinéens qui se nourrissent de la vérité, de l'honnêteté et de la sincérité. Vous voyez, il n'y a pas que des bêtes. Hein. Il y a des sincérités. Heureusement. Donc, j'en rigole, mais ma sœur, tu le sais bien, c'est désolant. C'est désolant. C'est malheureux. C'est très, très c'est malheureux. On a même honte, sincèrement, de dire qu'on est guinéen. On essaie, de toute façon. Ça me fait mal au cœur de voir des gens innocents partir en prison. Mais des gens innocents. Mais celui de l'opposé ne peut même pas voyager. Sa femme ne peut même pas voyager. Mais c'est grave. C'est gravissime. On est dans un pays, on n'est même pas libre de voyager. On n'est même pas libre de dénoncer. On n'est même pas de dire qu'on s'oppose à quelque chose. Mais c'est de la dictature. C'est la définition de la dictature. Monsieur Sylla, le gros problème est que quand ça vient de quelqu'un d'autre, on peut comprendre. Mais quand ça vient de Alpha, c'est ce qui est triste. Merci. C'est ça, hein. Un autre ferait ça, bon, on va parler. Mais venant de Alpha, c'est-à-dire, c'est plus que triste, c'est plus que dommage. C'est pourquoi c'est quelqu'un. Plus de 40 ans d'élite. Voilà. C'est pas facile. Mais on recule de combien d'années là? On recule de combien d'années? Ah, c'est énorme. Pour quelqu'un qui a passé toute sa vie en France, franchement, avoir un temps. On est déçu, non, passé, on avait misé sur lui. Moi, je pense sincèrement, je n'ai pas voté pour lui, je ne vais pas mentir parce que là, je suis là. Mais au moins, on pensait avec un monsieur comme ça qu'il allait changer les choses, qu'il allait faire bouger les choses. Oui, beaucoup de personnes ont pensé ça. Moi non plus, je n'ai pas voté. Mais je me suis dit que c'est quelqu'un qui allait pouvoir changer parce qu'il a beaucoup voyagé, il n'a pas travaillé en Guinée, il n'est pas parti dans Biri Madabou et puis il a beaucoup souffert, il faut lui donner sa chance. C'est décevant. Même ceux qui n'ont pas voté ont quand même pensé ça. Donc, c'est décevant. Et quand on est déçu, je pense que
on n'a pas resté sur le côté ethnique ou sur son orgueil quand non, on est déçu. Loin de là, loin de là, très loin de là. Il faut le faire savoir. Chacun peut le faire savoir à sa façon. Pour l'instant, c'est ce qu'on a. C'est le seul chemin, le seul outil qu'on a. Comme ce que je disais tout à l'heure, les phoniques et mengues, c'est quoi? C'est pour ne pas que ne répète un yanga ou ni qu'il va. C'est tout. On se sert de lui comme exemple. La bune de Vénus, elle nous fait. C'est le meilleur langage. Il n'a rien à faire dans quoi. C'est toi la nuit fatelaire, tu as la sensation que tu es Dieu. C'est Satan, c'est Iblis, Iblis Nanarbama. Donc, je ne sais pas si vous avez autre chose à rajouter, comme il se fait tard. La prochaine fois, on va. Je laisse une way pour la parce qu'il y a un kyoki, mais il y a un mec. Arabinine n'a rien à cette main. Et là, Nemo, avec Alpha Boukio qui a d'un guimane. Alpha Fini Boutura. Mais il y a un Nemo, c'est quoi d'un guiné? La seule fois d'un guiné. Et bien, quand il y a un guiné, il y a un guiné, il y a un guiné, il y a un mutang bi mu nakwide me geli nara ande o sene tone usmar konti wona tone se ko tone hafemi wona tone andangi kombe ndani na geli me akulu donc migina nemu he migana nemu de ha akulu fi masaramane fi masaramane ngi alena fi masaramane abu kio ka woro kio ki fi masaramane me ga 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 li ki ki manyaku ka ye doy le gine o mbin bena le gine ra afa fini ko yora si yora o mbin le gine ka fi masaramane madame monsieur le fameux ceremony wo o manyagunde wotan bilingi wotan kan totohi alfa bu chota de ngmane namu fara wonlu namu sekulu namu se alfa lu made alfa bu chota ngmane namu fara ngmane na kere na frita kere na bamane donc voilà je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter la sana ba abi pour la presque au fait on tam bi minire ne ko pa na yamane mabore na men mais là colon que on est nabé on boit une étalon ma mère donc ayez-moi on boit ça on boit mon omara depuis on a su on a on boit une malipé d'intérêt donc faut que mengen rien amène donc rafé mon tour ma canne à la lente à colon mais on blesse on boit il a on nous a cessé à tant que ma bête est panana donc alors la salle n'a rien fallu fait ma salle mengen à la lente mais il a barré à borima il a para il a c'est un grand bégin, un grand basse, mais un grand barre pour y venir à l'humanité. Ne l'abîme fait pas y'a pas la Guinée, mais ne l'abîme la Guinée développée, tu es relinana. Ne l'abîme la Guinée ou la Cana, tu es relinana. Donc, on a un plan, ne l'a pas dirigé, il y a Kata, il y a relin ou la Guinée positivement, ben il y a pas. Mais il faut faire une abadi. Il faut y'a pas, il y'a pas ici. Mieux vaut y'a pas, il y'a pas, il y'a pas, il y'a pas, il fera que ben il y'a pas, il y'a pas, il y'a pas, il fera. Alors, ma blague générale, on va me préparer que on va tenir des sujets vraiment plus importants pour voir déjà comment unir, nous unir et nous battre maintenant pour nos détenus qui sont en prison injustement. Inch'Allah. En tout cas, je vous remercie. Nous sommes là. Afin de nous permettre, nous avons des fois parce que nous avons des nous avons des fois. Et oui. Alors, au sein de FIMMA, on a autorisé son FIMMA, on va m'enchaîner pour la suite. On va m'en aller. Merci beaucoup. Alors, à Kounouba, à la Oumbiri, à la Oumkanta, à Natanga, à Oumstra, à Simaya, à Tante Avigna, à Nuigino, à Soutra, à la Oumbiri, à la Oumbaï, à Tintani, tu es là. Ah, Antanardi. Ah oui, c'est moi, hein. C'est pas un comprendre. Mais je ne savais pas que c'était les frères de Polyke Mengue. Vous avez vu la vie, hein. Quand tu étais sur mon direct hier, voilà. Donc, ça les fait rire quand ils me voient comme ça. Parce que, bon, voilà, ils m'ont pas. C'est positif. Oui, c'est comme ça, hein. Okay. Moi, j'ai changé. Okay. Je dis merci à Allah, Inch'Allah. Merci pour les partages et les commentaires. Bon week-end à tous. À bientôt. Merci à la Rafa. Au revoir. Au revoir à tout le monde. Inch'Allah.